الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين، نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك بالنبي العظيم بخاتم الأنبياء والمرسلين وبقائد الغر المحجلين، كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى نلقاك عليه يا أكرم الأكرمين. يقول ابن الجوزي في نصيحته لابنه، وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء. Alors nous continuons dans le livre L'Aftatul Kabid, le conseil de Ibn al-Jawzi à son fils, parce qu'il lui a dit de prendre soin tout d'abord de la science de l'aqida, après de l'fiqh, et il lui a dit d'apprendre même la grammaire arabe. Et il a cité plusieurs sortes de sciences, de l'hadith, de l'Qur'an, et puis il a dit, et j'ai fait dans tout ce que je viens de dire des livres. Ce qui te donne satisfaction, et tu n'as pas besoin de chercher les livres des savants qui sont avant moi, parce que j'ai bien travaillé pour mettre ce qu'ils ont mis dans mes livres. يقول فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. Il a dit, par mes livres que j'ai laissés pour toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher les livres, parce qu'à l'époque ça demande de l'argent, de la fortune pour avoir les livres, et c'était pas facile parce que c'est des choses qu'on écrit à la main, et les papiers et l'encre et tout ça, c'était quelque chose qui coûtait cher, c'est pas quelque chose à la portée de tout le monde comme aujourd'hui. Les stylos, l'encre, c'est pas quelque chose de facile à avoir. Et il a dit, et encore, voilà, tu n'as pas encore besoin d'aller faire des livres parce que j'ai déjà fait dans tous ces domaines. قال وما تقف همة إلا لخساستها وإلا فمتى علت الهمة لم تقنع بالدون. Alors il a dit que la volonté de l'être humain, si s'arrête, c'est-à-dire parce que c'est une basse volonté, c'est-à-dire c'est une personne qui ne cherche pas à aller dans le progrès et dans les plus hauts degrés, mais plutôt, voilà, il est à bas niveau, c'est pour cela qu'il ne cherche pas à s'améliorer. Alors si la volonté de la personne était une volonté qui cherche le meilleur, et il y a une volonté ferme, alors n'accepte pas tout le bas, mais plutôt elle cherche toujours d'avoir plus dans le bien. فهنا نستفيد أن الإنسان لا ينبغي أن يقول خلاص أنا اكتفيت بما تعلمت فلن أطلب الزيادة، أو يقول أنا أكتفي بما أعمل فلا أطلب أن أزيد على عملي. Alors nous comprenons qu'il faut pas dire moi j'ai assez appris, alors je ne vais pas encore apprendre plus. Il ne faut pas dire que je travaille assez, alors je n'ai pas besoin d'ajouter sur ce que je fais. Mais plutôt la personne cherche à remplir ses temps dans le bien, et il cherche toujours à avoir plus de science. Et là,
الموت jusqu'à la mort. قال تعالى وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. La certitude, dans l'aïa, le mot yaqin, mot à mot, certitude. Mais ce qui est voulu, c'est la mort. Alors adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Et dans l'adoration, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'aumône, il y a la lecture du Coran, il y a le zikr, il y a le fait d'apprendre, il y a le fait d'enseigner. Il y a le fait de chercher à ramener les gens à aimer Dieu. Il y a le fait de blâmer le blâmable, il y a le fait d'ordonner le bien. Alors tout ça, ça rentre dans l'adoration de ton Seigneur. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي. Il a dit Ibn Jawzi que j'ai appris avec l'argument que la volonté est quelque chose qui existe avec la naissance de l'enfant. وإنما تقصر بعض الهمة في بعض الأوقات فإذا حثت صارت. Il a dit mais des fois la volonté des fois prend de recul, revient en arrière. Pourquoi? Parce que des fois suite à la mauvaise fréquentation, distrait. On a oublié. Alors, lorsqu'on la motive, lorsqu'on la rappelle, lorsqu'on la conseille, lorsqu'on parle de l'au-delà, lorsqu'on parle du jour du jugement, alors ça la pousse à travailler. Et nous, ليش مجالس الذكر, ليش مجلسنا يوم السبت, أو الحكمة العظيمة, أو الركن الأعظم, يوم الجمعة الوصية بالتقوى, حتى يبقى دوما شحذ الهمم. Alors, si vous voyez le grand pilier dans la prière de vendredi, dans le discours, c'est le fait de conseiller la piété, c'est-à-dire maintenir la piété. C'est pour toujours que les musulmans entendent les motivations à aller plus dans l'obéissance, dans les actes surérogatoires, dans le fait d'obéir à Dieu. Et ici, dans la mosquée de Lausanne, moi je pense que depuis que je suis arrivé, depuis... que la mosquée est ouverte, parce que avant moi il y avait des imams encore qui ont donné pour la da'wah. Alors le samedi c'était encore une leçon générale, un conseil qui touche un rassemblement qui est très important pour notre communauté, alors qui a joué un bon rôle pour les musulmans de Lausanne et environ. Alors pourquoi? Parce que je dis que lorsqu'on en fait le rappel relance de nouveau la motivation. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا معنى كلام ابن الجوزي أن الهمة مولودة مع الآدمي فإذا ضعفت كذا فإذا حثت صارت وتحركت. Et Allah Ta'ala a dit rappel. Le rappel et le conseil fait profiter les croyants. Alors des fois, lorsque la personne, pendant une semaine dans le travail, peut-être ça lui arrive qu'il oublie, qu'il est distrait, voilà, il a baissé un peu les bras, lorsqu'il vient la prière de vendredi, lorsqu'il vient le samedi, il entend quelque chose qui le rappelle que la mort est proche. Il y a la question dans la tombe des deux anges, il y a le jour du jugement, alors il faut que je travaille. C'est pas assez ce que je fais, je suis paresseux, et il relance de nouveau. Alors, نحن بنحكي بالنصيحة. قال بعضهم كنت إذا أحسست بالفطور أذهب فأنظر إلى محمد نواسع إلى وجهه نظرة فأعمل عليها أسبوع. Il y avait quelqu'un qui a dit, lorsque je me sens affaibli, je me sens un peu dans la paresse, j'y vais, je jette un regard sur le visage. Pour le visage de Muhammad, fils de Wasi', je reviens et je travaille avec motivation une semaine. Seulement par le fait de le voir. Lorsqu'ils les voyaient, les musulmans, Muhammad ibn Wasi', ça les rappelle tout de suite l'au-delà, l'obéissance à Dieu. Et ça leur rappelle que le bas-monde, ce n'est pas une demeure pour le plaisir et chercher à assouvir les mauvaises penchants, mais plutôt c'est une demeure pour les provisions. Par le fait de le voir, ça te rappelle ça. Subhanallah, khalaqa fa sawwa
وأظهر على بعض خليقته من الأنوار والبركات أظهرها فتتحرك به القلوب من غير أن يتكلم. Les cœurs seront motivés sans qu'il parle. Sans qu'il parle, seulement par le fait de le voir. De moi-même et beaucoup de nos frères, que lorsqu'on regardait le Cheikh Abdullah seulement, ça nous motive à travailler. Et celui qui rentre et il était dans la désobéissance, il se rappelle tout de suite qu'il se répand lorsqu'il le regarde, lorsqu'il le voit. يعني كذلك من عرف شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه أي كثير منا كان إذا نظر إليه تحرك لعمل الآخرة وإن كان في تقصير شحذ همته النظر إليه وإن كان في معصية تاب منها وقلت لكم مرارا أن هذه الأبواب التي يذكرها الصوفية هذه الأبواب معظم هذه الأبواب كنا نراها على شيخنا فعلا ولا نسمعها كثيرا في الكلام إنما كنا نراها فعلا. La plupart de ce qu'on vous explique, de ce qu'on dit dans nos leçons au sujet de Sophia, leurs paroles et les sujets qu'ils abordent, alors on les voyait du Cheikh par l'acte, mais on ne l'entend pas souvent qu'il parle de ces choses-là. Mais dans les actes, tu vois toutes ces choses-là. Et beaucoup, beaucoup parmi ce qu'on a appris dans les sunan, hein, on le voit, par exemple, on saluait le Cheikh, et le Cheikh n'enlève pas la main jusqu'à que nous on retire. Après, on a entendu dans le hadith que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il saluait un homme, ce n'est pas lui qui lève la main au début. Il laisse que l'autre... انه بالاول كنا نسلم على الشيخ فبتلاقي الشيخ مسك لك ايدك ثم بعد انت تسحب فهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اكراما لاصحابه اظهارا لحبه تليينا لقلوبهم الى غير ذلك وكنا هذا نقول لما يفعل الشيخ هذا بعد ذلك سمعنا الحديث وهكذا ومتى رايت في نفسك عجزا فسل المنعم إذا رأيت من نفسك عجز اسأل الله سبحانه وتعالى الذي هو ينعم على عباده بالفتح والتوفيق والسداد اسأله أن يقوي عزيمتك. Alors lorsque il a dit à son fils, lorsque tu vois une certaine faiblesse, une certaine incapacité, demande à Allah Ta'ala le bienfaisant. C'est lui qui crée en toi la guidée, c'est lui qui crée dans ton cœur le bien. Alors demande à Allah Ta'ala le bienfaisant qu'il t'aide, qu'il crée en toi la motivation pour aller plus ou qu'il te donne la capacité à agir. Si tu vois une certaine paresse, tu demandes à Allah Ta'ala qui crée la guidée. Al-Muwaffiq, c'est lui qui crée la guidée. Le tawfiq, c'est la création de l'acte de la guider en toi, ça s'appelle tawfiq. Alors c'est lui qui crée ça, en le nom al-muwaffiq, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwaffiq, c'est celui qui crée la guider en toi. Tawfiq, c'est la création de l'acte, et celui qui va dans l'acte de la guider, on dit il est dans la guider. Al-muwaffaq, c'est celui que Allah ta'ala a créé en lui l'acte de la guider. Si tu te sens en paresse, demande à Allah ta'ala al-muwaffaq ilayhi, demande à ton Seigneur, refuge-toi à ton Créateur qui crée la guidée. فَلَنْ تَنَالَ خَيْرًا إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَلَا يَفُوتُكَ خَيْرًا إِلَّا بِمَعْصِيَتِهِ. Tu n'arriveras à rien dans le bien que par l'obéissance à ton Seigneur. Si tu veux le bien, il faut que tu ailles dans l'obéissance. Et si tu rates quelque chose du bien, c'est suite à la désobéissance. إذن تريد الإكرام من الله عز وجل إلجأ إلى الطاعة. Tu veux que tu sois honoré par ton Créateur, alors refuge ou va dans l'obéissance. Tu veux que tu sois privé d'être honoré, d'être guidé, d'être dans le bien, alors va dans la désobéissance. Et ça, ce n'est pas un choix que je vous donne, mais pour dire que tu auras les méfaits. إن أردت شرا لنفسك اذهب إلى المعصية فسترى عاقبة ذلك. فسترى عاقبة ذلك لا يفوتك خير إلا بمعصيته.
لما بفوتك شيء من الدنيا لا تحزن عليه، الدنيا كلها ما بتساوي قشرة بصل. Si tu rates quelque chose de ce bas monde, ne sois pas affligé, ne sois pas triste. Tu as raté là un peu d'argent, tu as raté ici un peu d'or. Le bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique, ne vaut pas la peau de l'oignon. مش البصل قشرة البصل. الدنيا ما بتساوي قشرة البصل. Le bas monde ne vaut pas la peau de l'oignon. هيدي الدنيا اللي بيتقاتلوا عليها اهل الدنيا. بيعضوا بعضهم عليها مثل الكلاب. Ce bas monde pour lequel les gens s'entretuent et l'un mord l'autre comme des chiens ne vaut pas la peau de l'oignon. ما بتساوي قشرة بصل. وتلاقيهم عم يعضوا بعض وعم يقتلوا بعض وعم يسبوا بعض عليها. Tu les vois en train de l'un insulte l'autre, l'un tue l'autre, l'un en train de mordre l'autre comme des chiens. الدنيا جيفة إيش وطلابها كلاب. Le bas monde ce n'est qu'un cadavre et ceux qui les cherchent ne sont que des chiens. الدنيا جيفة وطلابها كلاب فلا تكن مع الكلاب. Ne sois pas avec les chiens. كن من طلاب الآخرة. وبيضحكوا عليك لما بتقول لهم هيك بيسخر منك. Cherche l'au-delà. Et lorsque toi tu dis je veux pas votre bas monde, je vais chercher l'au-delà, il se moque de toi. هذا الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Allah nous a dit que ces non-croyants ils se moquent de vous. Ils font des signes par leurs yeux lorsqu'ils vous voient, que toi tu vas à la mosquée pour prier, que toi tu es en train de jeûner au lieu d'aller vers le lac prendre deux verres d'alcool, du vin avec le glace, un peu de cajou. Avec... Ils se moquent de toi parce que d'après eux, toi tu ne sais pas vivre, le pauvre tu es en train de prier. Mais le jour du jugement, ils verront qui a mal choisi. سيرون يوم القيامة من كان صاحب الاختيار السيء. نحن نقول كل نعمة منا منه عز وجل. كل نعمة فينا منه. Nous on dit tout bien qu'on a c'est de la part de Dieu عز وجل. Mais alors c'est normal qu'on passe le temps et on se précipite à le remercier. ليش نعمة العينين قليلة؟ ليش نعمة النطق؟ ليش نعمة السمع؟ نعمة الذوق؟ نعمة الشم؟ نعمة اليدين والرجلين؟ C'est bien fait, les yeux, les mains, les pieds, le goût, l'odorat, l'ouïe. C'est des grands biens. Mais de qui ça? De la part de notre Seigneur. Mais bien sûr, je dois prendre tout mon temps pour obéir, pour chercher à avoir l'agrément de celui qui m'a créé et qui m'a donné tous ces biens. ولا لا بدنا نروح نلهو ونلعب ونعمل ما يملي الشيطان والشيطان لنا عدو مبين. Sinon on va croire, on va faire ce que le shaitan nous dicte et il est le grand ennemi à l'être humain. فمن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد. Qui est celui qui n'a pas cherché l'agrément de Dieu à qui n'a pas cherché l'obéissance, l'agrément de Dieu, et il est allé vers l'obéissance sans avoir tout ce qu'il souhaite. Man alladhi aqbala ala rabbil ibad falam yanal kull murad wa man alladhi a'rada anhu famada bi fa'ida aw hadhiya bi gharad min aghradihi. Et qui est celui qui s'est détourné de Dieu, de l'obéissance, de la foi et qu'il a eu quelque chose? Maintenant, pardon, j'ai eu le pouvoir et l'argent et les femmes. Et tu as eu quelque chose qui n'a pas de valeur. لو كانت الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء هو أعطاه منها لأنها لا قيمة لها. لكن أي غرض هذا؟ هذا العرض الفاني. Celui qui dit oui, mais moi, j'ai pas suivi votre chemin. J'ai pas été dans la foi et la croyance et la prière et le jeûne et j'ai eu tout ce que je veux. Le pouvoir, l'argent, les châteaux, les maisons, les voitures, les femmes, j'ai eu tout ça. Je dis, mais tout ce que tu as eu dans ce bas monde, parce que ce bas monde n'a pas de valeur pour notre Seigneur. C'est pour cela qu'il a donné à ses non-croyants un part dans la dunya. Mais si ce bas monde il avait le valeur
et n'allez pas leur donner une gorgée d'eau. Là où Kanat, si le bas monde vaut l'aile d'un moustique, il n'allait pas trouver à boire. Mais puisqu'il n'a pas de valeur, Allah Ta'ala leur a donné ce qu'ils ont eu. Mais c'est quelque chose d'éphémère. Et lorsqu'il vient le jour du jugement, tout ce qu'ils ont eu comme plaisir, ce n'est comme un rêve. Ka'abra fi ahlam. Ka'abra fi ahlam. Kamanamin ra'a fihi ma yu'jibu thumma afa. Comme un rêve qu'il l'a vu pendant ce rêve, quelque chose qui l'a plu, et par la suite, il s'est réveillé, et voilà, le rêve est terminé. Izan ad-dunya manam wal-akhirah haqiqa. Yani min bab at-tashbih. Alors, comme comparaison, le bas monde, c'est le rêve, et l'au-delà, c'est la réalité, parce que c'est la vie éternelle, sans jamais mourir, sans jamais vieillir, sans jamais tomber malade. Anno al-akhirah haqiqa, li'anna fiha l'insan ya'ish, fala yamut, wala yahram, wala yamrad, wala yaftaqir, wala yajidu aduwan. Et il ne trouve pas un ennemi. Et subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, اليوم إذا بتلاقي الإخوة ببيت واحد على قلب رجل واحد متكاتفين متحابين بتقول الله أكبر نعمة بالإخوة. Des fois dans le bas monde vraiment c'est étonnant, dans la même maison c'est pas facile de trouver toute la famille, frères et sœurs qui s'aiment comme si c'est la même personne. Yani pour dire, alors ce bas monde il faut l'observer de cette côté. Mais les gens du paradis, on dirait qu'ils ont, comme ils ont le même cœur. Ahl al-janna ka'annahum ala qalbi rajul wahid. Ma ahad yahsud ahad, ma ahad yahqad ala ahad. Il n'y a pas un qui envie l'autre, qui est jaloux de l'autre. Il n'y a pas un qui haït l'autre, qui complote contre l'autre, qui veut le mal pour l'autre. Awa ma sami'ta qawla al-sha'ir yaqul libnihi. والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذياري. ما هو عم بيقول إذا أقبلت تنال كل خير وإذا أعرضت يعني لا تنال خيرا. Et il a dit dans le sens, si tu vas vers l'obéissance tu trouves tout bien, et si tu te détournes de l'obéissance alors tu vas vraiment être dans la misère et dans les problèmes. Alors il a dit, le poète a dit, je jure par mon Seigneur, à chaque fois que je viens pour vous, pour rendre visite, alors je trouve que la terre, mon voyage passe rapidement, on dirait, les longues distances deviennent pour moi très raccourcies. Et à chaque fois que je m'éloigne de votre porte, je me fais des faux pas et je tombe. Yani pour dire, voilà comment il a dit le poète ici, il dit, tu arrives, tu cherches à l'obéissance, tu trouves les choses du bien, Allah les rend faciles pour toi, et si tu détournes, c'est toi qui trouves des problèmes. وَانْظُرْ يَا بُنَيَّ إِلَى نَفْسِكَ عِنْدَ الْحُدُودِ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ. Mon fils, regarde bien sur les prescriptions de les lois de l'islam. يعني حرام ابتعد فرض أدي شروط أركان إيتي بها. Alors observe-toi et prends soin de toutes les prescriptions des lois de l'islam, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il s'agit de haram, alors je ne tombe pas la main. هذا ربا, ce contrat c'est ربا, alors voilà je ne le fais pas, même si j'allais gagner 10 fois plus, 20 fois plus. Tu vois où, voilà, telle chose, c'est interdit à consommer. Je ne le consomme pas, même si c'est gratuit. C'est pas seulement gratuit. Il me dit, mange-le et je te donne de l'or. Non, je ne mange pas. Même si tu vas me donner, on te propose un travail, mais un travail qui est haram. Et tu es bien payé, 12 000 par mois. Non, il s'agit de haram. Alors observe les limites et les lois de l'islam. Ne les transgresse pas. C'est dans ce sens-là. Il y a des adorations à faire avec des conditions. La prière, il y a des piliers, il y a des conditions, il y a des choses qui annulent. Tu observes tout ça. C'est ce qu'il voulait dire. Prends soin de toutes les prescriptions de l'islam.
فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي، من راعى أحكام دين الله روعي، الله تلطف به، الله تعالى حفظه، احفظ الله يحفظك. Celui qui prend soin des lois de l'islam, il délaisse pas les obligations, il rentre pas dans le haram, il n'applique pas une injustice, Allah ta'ala prend soin de lui. Et j'ai cité le hadith, احفظ الله يحفظك. Il a dit Sayyidina Muhammad à son cousin, prends soin, éloigne-toi de la désobéissance, observe-toi les obligations, tu seras préservé par ton Seigneur. احفظ الله ما معنى احفظ الله احفظه فيما أمر وترك ما نهى يحفظك. Ma Abu Shuja, le juge Abu Shuja, à 130 ans, il a sauté en rivière. À 130 ans, il a sauté au-dessus de l'eau. Il dit, mais faites attention à ton âge. Comment ça se fait? C'est, tu risques. قال هذه جواري حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. Wazir, c'est un ministre, un juge, mais pieux. Wazir Abu Shuja, mashour, vous regardez le Kamel fi al-tarikh, متن الغاية والتقريب متن أبو شجاع سي أبو شجاع الوزير dans des longues années était un mais était un homme de science de piété. Lorsqu'il a sauté un petit rivière, on lui a dit faites attention parce que tu es une personne âgée, tu risques de casser quelque chose. Il a dit ses membres, on les a préservés en étant petits, Allah nous l'a préservé lorsqu'on est devenu âgé. Yani on a pris soin des lois de l'islam depuis notre jeune âge, et lorsqu'on est devenu âgé, Allah a préservé nos membres avec lesquels on a obéi à Dieu pendant la jeunesse. أنا بذكر أنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. يعني وباقي هيك حتى كبروا. Alors, sept catégories seront sous l'ombre du trône, seront sous la miséricorde de Dieu Azza wa Jal le jour dernier. Et il a cité un jeune qui a grandi dans l'obéissance. Un jeune qui a été grandi dans l'obéissance. Alors, jusqu'il a grandi, jusqu'il est mort, alors il est celui qui a commencé dans l'obéissance dès son jeune âge. Min sigharu. صلات علم ترك الحرام حفظ اللسان تعلم تعليم depuis son enfance il prie, il jeûne, il enseigne, il a appris, il délaisse le haram, il observe sa langue, il observe la langue, il respecte ses parents, il prend soin de ses voisins, il a un sentiment envers le pauvre. Alors celui-là, il a grandi en étant dans cet état, alors il sera sous l'ombre du trône le jour du jugement. فمن راعى روعي ومن أهمل تركه. Celui qui délaisse les limites et les lois et les prescriptions de l'islam sera délaissé. C'est-à-dire, Allah Ta'ala ne te prend pas par son soin. Tu es délaissé. Tu as délaissé ses lois. Tu n'as pas observé l'obéissance à ton Seigneur. Tu es délaissé de son soutien. هذا كما ورد أنه لا توكي فيوكى عليك أنفق ينفق عليك. Alors, dans le hadith, il y en a beaucoup de choses comme ça. Il a dit, man ra'a ru'ya, man ahmala turika, il a dit Ibn Jawzi, celui qui prend soin, Allah prend soin de lui. Celui qui délaisse, Allah le délaisse de son soin, de sa miséricorde. Et comme on a dit dans le hadith, il a dit Sayyidina Muhammad à une cousine, la tudaqqiqi fa yudaqqaq alayki, ne serre pas la main dans la dépense et par la suite, la pourvoyance sera serrée. Hein, tu dis, ah, c'est moi qui a besoin, j'ai besoin. Alors tu caches, tu ne donnes pas. Allah Ta'ala ne te donne pas. Alors la pourvoyance sera restreinte. Tu donnes, tu ouvres la main. Allah Subhanahu wa Ta'ala ouvre la porte de la pourvoyance pour toi. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. هو يقول هذا الكلام لولده حتى يقول يا بني انظر كيف كان حالي حتى
تتعظ وتعتبر وتأخذ. ليس أن ابن الجوزي كان يقول هذا في المجالس، بعض الأحيان قد يظن الإنسان أنه إذا تكلم عن نفسه وهو يتكلم متواضعا تحدثا بنعمة الله، أحيانا إيه بتزبط، بيكون عم يحكي من باب تحدث بنعمة الله، بس بعض الأحيان ترجع بتنقلب الأمور، بيصير فيها عجب، بيصير فيها فخر، وبدليل أنه إذا أثني عليه يفرح وإذا ذم يغضب. وأنت كنت تعمل لله، ما بالك إذا ذموك واعترضوا عليك غضبت، وإذا أثنوا عليك فرحت، ما أنت تعمل لله. فحذاري، هذا الباب بعض المتمكنين قد يدخلون فيه، ولا ينبغي لكل واحد أن يقول أنا متمكن، أنا أتكلم عن أحوالي حتى تقتدوا بي. جدي ابن الجوزي il va parler maintenant de son état, mais il a adressé la parole à son fils dans cette lettre, dans cet petit livre. J'ai pas entendu dans ces livres qu'il a fait, j'ai pas vu, j'ai pas lu qu'il parlait de ce qu'il lui il a fait devant les gens. Parce que des fois ça peut arriver que la personne parle de lui-même, il dit pour que je vous motive à travailler comme moi, pour je vous parle, oui, pour montrer les bienfaits de Dieu. Oui, des fois ça marche que la personne n'est pas ostentateur, n'est pas orgueilleux, n'est pas pris par l'infatuation. Mais des fois, en commençant par ça, il termine par l'orgueil, l'infatuation, le fait de s'émerveiller, le fait de se voir grand. Et si tu le loues, il est très content. Un peu de critique, il se fâche, il commence à insulter à droite, à gauche. Mais pourquoi? Si tu as fait pour l'agrément de Dieu, ils se sont moqués de toi ou ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais toi, tu n'as pas travaillé pour eux. Tu as travaillé pour l'agrément de Dieu, ça te suffit si Allah Ta'ala a accepté. Alors pour dire c'est une manière qui est un peu dangereuse, prenez soin de ça. Si Allah Ta'ala a fait que tu pries dans la nuit, si Allah a fait que voilà, le 1000 francs que tu mets à côté, tu dis voilà 500 lillah, 500 je mets pour mes enfants, mais je prends la moitié, moitié pour la dunya, moitié pour l'akhira. C'est un grand bienfait à nos jours. Bon, il y en a des gens qui ne laissent rien, qui donnent, mais il y en a des gens qui arrivent à faire ça, vraiment c'est du bien, mais ne parle pas, ne parle pas, garde ça pour toi, si Allah accepte, te suffit. Si Allah Ta'ala a dit à Jibril, telle personne, je l'agrée, aime-le, et que les anges informent les anges, l'ange Gabriel a informé les anges, ça te suffit. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل بين سكان السماوات إن الله يحب عبده فلان فأحبه فتحبه الملائكة فيكفيك إن كان هذا حاصل يكفيك لا حاجة لك بعد ذلك فلان أثنى فلان يرغب فيك فلان عظمك فلان يسيء إليك فلان يؤذيك بلسانه لا تبالي أنت لا تعمل له أنت تعمل لربه. لكن هو يريد أن هذا الكلام سأتي أدرسي à son fils pour que son fils tire profit. قال فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو من تدبير اللطيف بي. Il a dit la plupart de ce que j'ai eu, combien, c'était pas de mon effort. C'est plutôt ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour moi, Al-Latif, qui a voulu, qui a prédestiné, qui a facilité pour moi. C'est Allah Ta'ala qui a créé, qui m'a aidé, qui a fait ça pour moi. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار. Il a dit, je me rappelle que j'avais une volonté très ferme, très forte, très haute. Et je suis dans le maktab, dans l'école là, pour apprendre, en ayant 6 ans. Et mais avec moi, il y avait des grands enfants. Lui, il avait 6 ans, mais avec lui, il y avait des enfants, peut-être 10, 12, 13. Et lui, il a fait 6 ans avec eux. قَدْ رُزِقْتُ عَقْلًا وَافِرًا يَزِيدُ عَلَى عَقْلِ شُيُوخِ Allah Ta'ala m'a donné une intelligence qui dépasse l'intelligence de certains hommes âgés. فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط. Il a dit, je me rappelle jamais
que j'ai joué avec les enfants dans les routes, dans les chemins. Jamais, j'ai jamais joué avec les enfants dans les rues. Wala dhahiktu dhahikan kharijan. J'ai jamais rigolé à fond. Yani, j'ai éclaté de rire, jamais, il a dit. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais éclaté de rire. حتى إني كنت ولي سبع سنين أو نحو أحضر رحبة الجامع فلا أتخير حلقة مشعبذ بل أطلب المحدث. Alors il a dit, j'assistais dans le hall des mosquées, parce que devant le mosquée il y avait des halls, et il y avait dans ces halls, puisque c'est comme tu vois, il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la lumière. Alors je cherchais les signes, je ne cherche pas à s'asseoir avec des charlatans, des gens qui sont... Non, je cherche les séances là où il y a le hadith. Alors, فَيَتَحَدَّثُ بِالسِّيَرِ فَأَحْفَظْ جَمِيعَ مَا أَسْمَعُ. S'il parle de la biographie du prophète, je capte et j'apprends tout ce qu'il a dit. أَذْهَبْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَكْتُبُ. Je reviens à la maison, j'écris tout ce que j'ai entendu. À la maison, après qu'il a tout appris dans la séance, il revient à la maison et il écrit tout. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار. Alors il a dit, Allah a fait que j'avais un cheikh de mérite, s'appelle Abu al-Fadl ibn Nasir. Il me ramenait vers les séances des grands savants, là où on rapporte le hadith. Alors il m'a fait entendre Al-Musnad de l'imam Ahmad, les livres de l'hadith, c'est un 30 000 hadiths ou 15 000 hadiths dans le Musnad. Alors, et il a dit, et d'autres livres parmi les grands livres. Et moi, je ne savais pas pourquoi il me ramenait à ces séances. Wa dabata li masmu'ati, yani, il le fait s'asseoir, et le shaykh, il prend note de ce qu'il a entendu dans cette séance. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a entendu? Le cheikh, il écrit tout ça. Après, il a un balardou, lorsque je suis devenu pubère, il m'a dit, voilà le livre. Ces livres, toi, tu les as entendus. Moi, j'ai bien écrit pour toi. D'abord, toi, c'est-à-dire, j'ai écrit et j'ai vérifié. Et voilà, maintenant, je te donne ces livres, tu les as déjà entendus de la bouche des savants. ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحديث والنقل. J'étais avec lui, Abu al-Fadl ibn Nasir, jusqu'à la mort. Alors grâce à lui, j'ai appris le hadith et j'ai su comment on rapporte le hadith de cet imam-là, de ce savant, j'ai appris cela. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. Alors il a dit pendant mon enfance, les enfants descendent vers le Tigre. Il y avait un pont qui était fait vers la ville qui s'appelait Raqqa. والرقة سميت كذا لأن أهلها فيهم رقة. Les gens, les habitants de cette ville étaient doux. Alors on a mis Al-Raqqa. Lui, les enfants, ils descendaient vers le pont pour regarder, jouer. Lui, il prend un livre et il prend loin. Il s'éloigne et il prend et il travaille dans la science. Il apprend, il révise. Dans la science, il va pas avec les enfants pour regarder le fleuve de Tigre. ثم ألهمت الزهد فصارت الصوم وتشغلت بالتقلل من الطعام. Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré par la suite l'ascétisme. Alors j'ai jeûné la plupart des jours. Je jeûnais presque tous les jours, sauf les jours interdits. Et j'ai choisi de diminuer à manger. Il ne mangeait pas les fruits. Le corps de l'être humain a besoin de certains fruits. Il
حليب مع زبدة مع كذا il remplacé par d'autres choses. Mais il mangeait pas trop. وألزمت نفسي الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت. Alors j'ai forcé mon ego à la patience. Alors j'ai continué et je trouvais de mon ego un effort. لما بتشبع النفس بتميل للشهوات. Lorsque l'âme, l'ego a bien mangé de la viande, a bien mangé des fruits, voilà. Après, elle penche vers les mauvaises penchants. Lorsque tu l'affaiblis par le fait de manger peu, ça illumine le cœur et l'esprit. Vous voyez dans le mois de Ramadan comment les gens sont motivés à l'obéissance, parce que le jeûne aide. Lorsque tu affaiblis ton ego, et les veines seront restreintes, et c'est là où il passe le shaitan, alors c'est restreint, ça te donne la motivation à travailler dans le bien. Alors j'ai pris soin de veiller dans le bien. Alors après, lui, il a dit, j'ai pris soin de veiller, mais dans le bien, dans le science, pour apprendre, pour profiter de mon temps. Ces gens ne vont pas au lit que lorsqu'ils n'arrivent pas à apprendre, à lire, à étudier, à être debout. C'est là où ils prennent le lit. Sinon, on a dit, après la prière de l'Isha, la personne, soit il soit dans une prière, soit il est dans une séance de science, soit il est dans une séance de dhikr, soit il est en train de profiter ou faire profiter, sinon qu'il dort. Sinon qu'il dort. Parler dans les paroles de dunya après l'Isha, c'est déconseillé. As-samar wal-hadith bi-umur al-dunya ba'd al-Isha, makrouh. Makrouh. Aslan bin-nahar walla bil-layl. Kassaratul kalam bi-ghayri zikrillah tuqassi al-qalb. La nuit ou la journée, bavarder et parler trop dans les affaires de dunya, ça durcit le cœur. Tuqassi al-qalb. أما الذي يشغل ليله ونهاره بمحاربة الصالحين والعلماء فهذا يخشى عليه من سوء الخاتمة لقوله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Tandis que celui qui passe la nuit et la journée, comment comploter contre les gens qui travaillent dans la da'wa, comment critiquer les saints, comment faire du mal à celui-là et celui-là, alors ces gens-là risquent de mourir mécréants. Risquent de mourir mécréants parce que c'est des péchés qui ont des mauvaises augures. Il y a des péchés qui ont une mauvaise augure. Cherchez les défauts des gens. C'est un péché qui a une mauvaise augure qui risque la personne de mourir mécréant. Tatabbu' awrat an-nas. Tatabbu' uyub an-nas. Le fait d'insulter et de critiquer les saints, c'est un péché de mauvaise augure. Parce qu'Allah Ta'ala a dit, celui qui prend un saint, un wali pour moi, comme ennemi, qu'il sache qu'il est mon ennemi. S'il est l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il est, dans quel état s'il est l'ennemi de Dieu? Ala kullin, Allahumma ya maulana, يا ربنا يا خالقنا أشغلنا بطاعتك عن معصيتك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا يا كريم بفضلك عن من سواك. Vraiment, nous demandons à Allah SWT qu'il nous occupe par l'obéissance de la désobéissance et qu'il nous donne la satisfaction par le halal à la place de l'haram et qu'il nous donne de sa générosité ce qu'on a besoin pour ne pas avoir besoin autrui. بل كنت قال ولم اقنع بفن من العلوم. Je ne me suis pas été satisfait par une seule sorte de science, par exemple seulement fiqh ou seulement hadith ou seulement langue arabe. Non. بل كنت اسمع الفقه والوعظ والحديث واتبع الزهاد. Il a dit, j'entendais, j'apprenais les lois de pratique, al-fuqh.
J'assistais aux séances de conseil et d'exhortation. J'assistais aux séances de hadith. Et je cherchais les hommes ascètes, les pieux, les saints qui sont ascètes. Je les cherchais, je restais avec eux, je les suivais. Je les suis. ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره إلا وأحضره وأتخير الفضائل. Il a dit encore, j'ai pris soin de la langue arabe. J'ai bien appris. Et j'ai jamais laissé une personne parmi ceux qui donnent, qui enseignent et qui fait des cours, qui enseignent, qui soit proche ou étranger, hein, qu'on connaît du pays ou du loin, sans assister, sans être avec lui. Et toujours, je cherche les meilleurs actes et les actes méritoires. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق فأحسن تدبيري وتربيتي. Il a dit souvent, la plupart de mes états, de mes états, que si j'avais le choix entre deux, je choisis toujours et souvent ce qui est comme droit vis-à-vis de mon Créateur, c'est-à-dire ce qui est pour l'au-delà, ce qui est pour la religion, ce qui est pour mon Seigneur, avant de ce qui est pour moi-même. يعني في شيء أمر للآخرة وأمر للدنيا كنت أقدم أمر الله أمر الآخرة. Une affaire de bas monde, une affaire de l'au-delà. Je commence par les affaires de l'au-delà, ce qui me ramène à l'agrément de Dieu Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite m'a facilité les choses et a pris soin de moi. J'étais bien élevé grâce à Dieu Azza wa Jal. Ahsana tadbiri sahala li al-umur wa ahsana tarbiyati, yani Allah ta'ala arada latafa bi fa nasha'tu nash'atan saliha wa ajrani ala ma huwa al-aslah li wa dafa'a anni al-a'da'a wal-hussad. C'est-à-dire Allah ta'ala a fait que j'agis toujours dans le meilleur, dans les biens, et il a éloigné de moi les envieux, les jaloux, les ennemis. Hada lutf min Allah an yadfa' Allah 'anka al-hussad wal-huqqad. Na'am. Bas ma shart anna qad yakun al-insan rajul salih wa lahu a'da'. Des fois la personne, il est un homme saint et il a beaucoup d'ennemis, et des fois Allah Ta'ala il prend soin de lui, il fait que les gens le respectent, qui sont. لكن هذا أمر الله في خلقه. في بعض الأنبياء كان لهم أعداء كثر. سيدنا نوح كم كل قوم كانوا أعداء له إلا 80 وشيء. قوم لوط كلهم كانوا أعداء له إلا ابنتيه. جدي مي دي فوا كوم نوح توت سا كوميونوتي ايتي كونتر لوي سوف 80. Tandis que l'autre, toute sa communauté contre lui, sauf ses deux filles. وَمَنْ يَكِيدُنِي Allah دَفَعَ عَنِّي الْأَعْدَاءَ وَالْحُسَّادُ وَمَنْ يَكِيدُنِي وَهَيَّأَ لِي أَسْبَابَ الْعِلْمِ. Allah Ta'ala a fait éloigner de moi les ruseurs, les envieux, les jaloux, et il m'a facilité les causes pour avoir la science. وَبَعْثَ إِلَيَّ الْكُتُبْ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبْ. Allah a facilité que j'ai eu, comme je vous ai dit à l'époque, c'est pas facile d'avoir les livres pour apprendre, pour vérifier, pour si tu oublies, tu reviens vers le livre et tu lis, n'est-ce pas? Des fois dans le Coran al-Karim, des fois tu as dit l'aïa comme ça ou comme ça, tu regardes et tu t'assures comment on lit tel aïa. Alors, et la même chose pour le hadith et pour le fiqh. Alors lui, il a dit Allah m'a facilité, j'ai eu le livre de tous bords. D'où je n'attendais pas. Les livres m'arrivent, les livres des savants de l'islam. وَرَزَقَنِ الْفَهْمْ وَسُرْعَةَ الْحِفْظْ وَالْخَطْ وَجُودَةَ التَّصْنِيفْ. Allah Ta'ala m'a donné la bonne intelligence, la bonne compréhension, le fait d'apprendre vite et la bonne écriture. Et son écriture était très jolie. Et ses livres était apprécié, il faisait des bons livres. Moi, le premier livre que j'ai lu de Ibn Jawzi, qui m'a touché énormément, s'appelle Al-Lutf Bil-Wa'd. C'est un petit livre. Et la personne, lorsqu'il lit vraiment des fois, il dit, mais Ibn Jawzi, il adresse la parole à moi. Entre toi et lui, il y a 8 siècles, il me parle à moi. Pourquoi c'est comme il parle de mon état.
Bref, alors il a fait des bons livres et il faisait des livres que les gens apprécient. J'ai pas eu besoin de quelque chose, j'étais pas dans le besoin pour quelque chose de ce bas monde. Allah Ta'ala a fait que j'avais ce que j'ai besoin comme pourvoyance, ma satisfaction même plus. Et le cheikh Abdullah, واحد هيك من مشايخ سوريا قال له انت كيف تعيش يا شيخ؟ ان parmi مشايخ سوريا قال له توا كومون تو في؟ ما بده يعيش ما بده بيت واجار بيت واكل وشرب ولبس. celui qui vit aujourd'hui n'a pas besoin de payer le loyer, n'a pas besoin de payer les deux repas ou pour les habits, ou s'il y a quelqu'un qui vient chez lui, il faut pas les accueillir, tout ça. قال له انا عشت على الفتح منذ 30 سنه. Yani, lorsque lui il est venu, ce cheikh, le cheikh avait 30 ans dans le pays du Cham. Alors il a dit 30 ans, Aïcha, ma ma'na ala al-fatah, ayyom biyom, ma yaftahu alayya rabbi, fi hadha al-yom akuluhu, wala yahka al-ham ghad, wala al-isha, wala al-wajba al-thaniya. Il a dit, ça fait 30 ans, je vis en se fiant à Allah subhanahu wa ta'ala, la pourvoyance de jour par jour. Qu'est-ce que Allah Ta'ala me donne pour ce jour sans inquiéter pour demain, même pour le soir? J'ai jamais entendu du cheikh dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Jamais. Qu'est-ce qu'on a préparé pour demain? Jamais. Et le repas qu'on met qui suffit à une personne, des fois on mangeait de ça en étant 4 ou 5. L'akl alladhi yakfihi wahdahu akul minhu 4, 5. Ba'den مش مثلنا نحن بعد نقول واحد تفضل تفضل على الاكل بس ما نبلش اكل ها جان فيان اون مونج مي اون كومونس ا مونجي ها ميم سي جان نو فيان با اون كومونس مي لو شيخ عبد الله اللي ابل تيل بيرسون il n'est pas là il est où il est là bas appelez le برد الاكل برد الشاي le repas il devient froid. Le cheikh attend jusqu'à que celui qui va manger à lui soit présent et là il commence à manger. Et là mais tu dis mais هذا الخبز بالشاي, le thé avec le pain, avec le pain avec le thé rouge, يعني, si c'est froid c'est difficile à manger. Allons-y. Demandez à moi, c'est pas facile. Alors, si l'invité n'est pas venu, le cheikh ne mange pas. Pour dire, alors, ya'ish ala al-fatah, hakaza, jour par jour, il ne s'inquiète pas pour demain, ni après demain, et à plus forte raison, une semaine ou après, il ne s'inquiète pas. Fashouf huwa ba'dun al, man kanat niyatuhu dunya farrat minhu. Celui qui voulait le bas monde, baddu dunya. هلا باللحية بالعمامة بالبدك يا بدو الدنيا. يا دي جون كيل فو لو با موند لاس لا بارب il met le turban il prend le subha de 2 mètres il fait la sunna mais il veut la dunya. Alors souvent la dunya fuit de ces gens là fuit. ومن كانت نيته الآخرة جاءته ذليلة. Et celui qui cherchait l'au-delà, le bas monde vient à ses pieds. هذا شيخنا شيخنا ما كان يحكي بالدنيا الدنيا تأتي إليه وهو بيدفع عنه le bas monde arrive vers lui et l'autre شيخ il pousse من هذا من هذا من الثياب من الطعام لا يأخذ إلا ما يأكل كما يأكل الصبي. Il mange comme un enfant, 7 bouchées 11 bouchées comme un enfant. La dunya est venue vers lui et lui la pousse. يرميها عنه أعرض عنه ما كانت نيته الدنيا. Il cherchait pas le bas monde, il cherchait l'au-delà. بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد. Et il a dit, il a mis dans les cœurs des créatures comme respect, comme amour, comme yani acceptation de mes cours, de ce que je dis, quelque chose de plus grand que les gens attendent. فوق الحد وقع لي من القبول عند الناس. Les gens acceptaient mes paroles, mes cours, mes livres. J'avais une place dans le cœur
dans leur cœur quelque chose qui est vraiment plus que les gens pensaient. Alors, mes paroles rentraient dans leur cœur, ils ne doutaient pas que mes paroles sont justes. Il a dit à peu près 200 personnes qui ont embrassé l'islam parmi les gens qui vivaient dans le pays de l'islam. 200 personnes ont embrassé l'islam grâce à Ibn Jawzi. Moi, avant, je ne sais pas d'où est venu. Il s'est repenti sur ses mains 40 000. Il a dit à son fils, plus que 100 000. Plus que 100 000 parmi les musulmans se sont repentis dans ses conseils, dans ses discours, dans ses séances de bien. أما قديش بدك تشوف من كتبه قديش اليوم انتفعوا si tu veux regarder les gens qui ont tiré profit du livre de Ibn Jawzi alors mais bien sûr ont dépassé les millions mais bien sûr ceux qui ont tiré profit des livres de Ibn Jawzi alors leur nombre dépasse des millions الذين انتفعوا بحياته انتفع فيه أكثر من 100,000 durant la vie plus que 100 000 ont tiré profit, se sont repentis. Ceux qui ont tiré profit de ces livres, c'est des millions. Yani, comme vous voyez, les livres d'Ibn Jawzi sont partout, sont appréciés. Ça ne veut pas dire que toute parole est dite de livre d'Ibn Jawzi, elle est prise comme elle est. Certaines choses, il faut vraiment prendre soin, le dire dans quel sens, dans quelle chose a dit. ولقد كنت ادور على المشايخ لسماع الحديث فانقطع نفسي من العدو لئلا اسبق. Alors il a dit je tournais vers les mashayikh pour apprendre le hadith. Alors il dit j'arrive plus à respirer parce qu'il courait, parce qu'il veut être le premier. Mashayikh. C'est pas comme quelqu'un qui vient à 9h moins 10 à la fin de la leçon. C'est possible que la première phrase qu'on a dit dans la leçon, c'était la remède de ton cœur. Mais toi, tu es venu à 9h10, à 9h moins 10, et tu as entendu 10 phrases vers la fin de la leçon. Mais des fois, une parole change la vie d'une personne. بعض الأحيان كلمة واحدة جملة واحدة بتغير حياة الإنسان من السيء إلى الأحسن من ال... فهو قال كنت أعدو لا جكور pour que je serai le premier. Je veux pas être quelqu'un avant moi dans la séance. سيدنا عمر رضي الله عنه حث الناس على الجهاد. Il a encouragé, motivé les gens pour le jihad, pour aller vers les pays perses. فاجا واحد بعد صلاة الصبح مباشرة أول واحد اسمه عاصم كيلكان كي سابلي عاصم كي فنو نظر في عمر أول واحد اجا لو بخومييي عينه أمير الجيش ألوغ إلا ديزيني أمير وكان أمير فالح وناجح سيتي أن بون أمير إلي فنو لو بخومييي ألوغ سيدنا عمر قال ليش اجا هذا بالأول يعني عنده من الهمة ما ليس عند غيره إلا لا موتيفاسيون سو كي نون با لي زوطخ إي إلي تي فريمون أن بون أمير وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل. يعني des fois il a dit je me lève et j'ai rien à manger et des fois le soir arrive et j'ai rien à manger. بكون هو أكل وجبة الصباح ما في وجبة الليل وأحيانا في وجبة الليل ما في وجبة الصباح. Des fois il a pris le repas du matin mais il n'a pas le repas pour le soir ou l'inverse. مش مشكل. إذا أكل واحد وجبة باليوم ما بيموت. Si la personne prend un seul repas par jour, il ne va pas mourir. Il va se débarrasser de beaucoup de choses qui sont comme du poison dans son corps. وجبة واحدة بتفيد كتير. شيخنا يمكن كان يمشي بعض الأحيان لبعض الدروس يمكن 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر. Le cheikh Abdullah, il marchait pour apprendre chez tel cheikh ou tel cheikh des
fois 100 kilomètres, 150 kilomètres, à pied, des distances. Il rentrait dans la prairie, dans les forêts. قال ما أذلني الله لمخلوق قط الله أكبر إلى دي جي جامي ايتي هوميليي بار اون كرياتور لأنه ايش ما بيمد ايده للناس ولا بيطلب من الناس il ne tend pas la main pour les gens il ne demande rien de la part des gens alors il n'a jamais été humilié pour par une créature من طلب الدنيا هيك بعضهم قال celui qui cherche le bas monde qui se prépare pour l'humiliation واحد بده الدنيا فليتهيأ للذل شوفوا هدول السياسيين بدون الدنيا فأغلبهم يتعرضون للذل بينذلوا كل مسبه الأد من الناس بيسمعوها ويي لا بليبار دي بوليتيسيان من الغنوشي للطحطوشي لبدكن alors ils veulent la dunya alors comment ils, les gens ils se moquent d'eux comment ils les insultent comment ils, se, ils les négligent comment ils leur manquent de respect Parce que ces gens-là cherchent la dunya. Si tu cherches la dunya, prépare-toi à l'humiliation. Amma li bitlub al-akhir lesh bit'arrad lidh-dhulm. Bit'arrad lidh-dhulm, na'am, bas ma bit'arrad lidh-dhulm. Celui qui cherche l'au-delà, oui, il peut subir de l'injustice, il peut être tué, mais sans être humilié. Sayyidna al-Hussein radiyallahu anhu, kharaja fi sabilillah, linusrat al-haq wa mujahadat adh-dhalimin min walat bani Umayya. ما قدروا أن يذلوه ظلموه ولكن ما قدروا أن يذلوه alors الحسين est sorti pour lutter contre le mal pour enlever l'injustice de Bani Umayya avec ses gouverneurs injustes Ubaydullah ibn Ziyad avant c'était son père mais ils n'ont pas pu l'humilier ils ont voulu l'humilier et il n'a pas accepté alors ils l'ont tué mais il n'a pas accepté d'être humilié Et il était un grand martyr, shahid azim. Wa lam yarda bil-dhul. Man arada al-akhirah, kayf yuzal? Yumkin tuzlmu, bta'tlu, bta'dammir, bta'tul, bas ma fik. C'est lui qui cherche l'au-delà. Si tu le tues, OK, il a subi de l'injustice, mais tu peux pas l'humilier, mais c'est lui qui veut la dunya. Tubzu alayh, bqul lak ad-dunya am tatbzu ba'd. Et les gens de la dunya de Tu craches sur lui, il dit ah il pleut, crache encore. هدول تعود الدنيا هيك. لو بيسمع مسبت أمه بيضحك. Il entend l'insulte de sa mère, il rigole. بدو الدنيا هو شو بدو يسب بقول له سب بس اعطينا بآخر شوية مال. Insulte ce que tu veux mais donne-nous à la fin de l'argent. هدول أهل الدنيا. ابن الجوزي قال ما أذلني الله لمخلوق قط J'ai jamais été humilié. Allah Ta'ala m'a préservé de l'humiliation par une créature. ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي. Allah Ta'ala m'a facilité ma pourvoyance afin d'honorer ma famille et moi-même. Voilà, Allah a facilité la pourvoyance pour moi d'où je n'attendais pas afin de préserver mon honneur et ma famille. كان عنده 20 ركعة لا يتركها كل ليلة لا في سفر ولا في حضر الوهابية بيقولوا ما فيك تصلي أكثر من 11 ركعة بيقولوا حرام الإمام أحمد كان يصلي 400 ركعة alors الوهابية elle dit il y a quelqu'un il m'a dit c'est haram de prier plus que 11 ركعات منين حرام ابن الجوزي avait 20 ركعات par nuit, qu'il soit en voyage, qu'il soit en résident, 20 rak'at ne la délaisse pas après l'Isha. Et il clôture par l'huître. Mais je dis, comment ils disent le Wahhabi Yassal, l'imam Ahmed, il faisait 400 rak'at. Après, quand on l'a pris dans la prison, quand on l'a fouetté, il est sorti très malade, très faible, il faisait 200 rak'at. بعد ما جلد وضرب وما 200 rak'at بالليلة. 200 rak'at après qu'il a subi ce qu'il a subi. قال ابن الجوزي ولو شرحت أحوالي لطال الشرح لو si je vais expliquer encore de mes états ça va prendre beaucoup du temps moi j'ai appris que les rayures de ces crayons lorsqu'on les taillures pas les rayures les taillures de ces crayons ils mettaient à côté je ne sais pas pour quelle raison mais à la fin on a pris ça pour chauffer l'eau
lorsqu'on voulait le laver, lorsqu'il est mort, alors c'était plus de ce qu'on a besoin pour chauffer l'eau. Haydel, la buraïat al-aqlam, zadat amma yahtajoun li taskhin al-ma. Alors, علما انه غسل الميت يستحب غسله بالبارد بس يمكن بالشتاء كيف بدك ما بتعود فيك تغسل هو سي سنة de laver avec l'eau froide. Mais des fois, lorsqu'il se fait très froid et tu vas commencer dès le début, tu n'arrives pas. Alors c'est pour cela qu'ils ont chauffé. Mais peut-être vers la fin, ils versent de l'eau froide parce que c'est pour que le corps tient plus. بس حتى ما يظن حدا انه تسخين الماء سنة مشان هيك عم بشرح انه ليس تسخين الماء سنة. نعم. هو كان كثير التأليف كذا، لكن قيل هذا في النووي لعله، أنه النووي كان أيام، وإذا بتقسمها على الكتب والأوراق فشيء مذهل. مام لوي لا في بلوس كو 100 ليفر، مي لوي النووي سي تو كالكول كومبيان بار جور إل إكريفي كوم بابيي تو إيتوني، تو فا إتر إيتوني. سا سي أون إكريتور، سا بخون دو تون. في ناس كتير بعدين بيصنفوا من حفظهم، في ناس ما بيعرف يصنف إلا ما يحط خمس كتب قدامه. Il y a des gens qui écrivent les livres de ce qu'il a appris dans le cœur. Tu vois, comme lui. Et il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à faire ça. Il met les livres devant lui, il copie de celui-là, il met ici, là, il enlève ça. أنا مثلا كان مرة عندي مناظرة مع مشبه وهابي وكذا. فبتعرفوا الوهابي بيستعملوا آيات في غير محلها. Vous savez, les wahhabites, ils utilisent les ayats en dehors de leur place. Alors, j'ai pris tous les ayats que le wahhabia utilise comme faux arguments, qu'ils utilisent en dehors de leur place, et j'ai cherché maintenant qu'est-ce qu'ils ont dit les imams dans le tafsir. J'ai pris même le tafsir Ibn Kathir. J'ai pris le tafsir d'Ibn Kathir. Il y a le tafsir Ibn Jawzi. Il y a le tafsir Al-Qurtubi. Il y a le tafsir plusieurs. Mais j'ai trouvé Ibn Kathir qui, alors il prend des paragraphes complets comme ça de chez Al-Qurtubi et il met chez lui. Un paragraphe, tout, et il le met chez lui. Tu prends ici, prends خد منها هنا وضعها هنا وقل مؤلفه أنا. بعضهم قال هيك. Certains, il a dit, je prends de ce livre, je mets dans celui-là et je dis c'est moi qui a écrit. C'est moi, mais tu as copié plus ou moins. Tu as copié la plupart, 98%. Tu as pris des autres livres. Ibn Jawzi était parmi ceux qui écrivent de ce qu'il a comme science, sans copier des autres livres. وشيخنا كان كذلك إلا إذا قال ضعوا هذا المقطع من هذا الكتاب مع اسم المؤلف يعني. شيخنا il écrivait de ce qu'il a appris sauf lorsqu'il dit prenez ce paragraphe de ce livre mettez et il dit que ça a été dit par tel savant. هذا كلام فلان قال فلان. وانا اجمعه لك في كلمه واحده en parlant وها انا قد ترى ما آلت الي حالي. Tu vois dans quel état je suis. Moi je regroupe tout mon état en par la parole de Dieu. واتقوا الله ويعلمكم الله. Il a dit voilà, tu veux le résumé pour mon état. Il a dit Allah Ta'ala a dit واتقوا الله, craignez votre Seigneur par le fait de délaisser le haram, mettez les obligations en pratique et Allah Ta'ala vous facilite la science. ويعلمكم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. سندخل في فصل جديد إن شاء الله par la suite. Et nous continuons avec ce joli conseil, ce petit livre qui est bénéfique. وبتشوف إنه هذا الكلام خرج من القلب. Vous sentez que les paroles sortaient du cœur de Ibn Jawzi pour son fils vraiment. C'est pour cela que c'est touchant. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا برحمته ولطفه وكرمه وجوده، أن يحفظنا على الإيمان، أن يثبتنا على الإيمان، أن يوفقنا لصالح الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية
وحسن الختام، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علو الهمة فيما يرضيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.